Qu'est-ce que vous craignez, vous? La survie du site ici, elle peut être menacée par ces box? La survie, non, mais nous serons obligés de réduire nos activités. Tous les ans, c'est 100 personnes qui sont accueillies ici, 35 hommes en permanence qui sont nourris, logés, pour lesquels on verse des cotisations à l'URSSAF. Voilà, nous en accueillerons moins. Les vêtements, c'est 25% de nos recettes. Si nous n'avons pas les vêtements, ou si nous avons une diminution très importante des vêtements, nous serons obligés de revoir notre politique d'accueil. Personne n'a pensé à nous. Alors, nous n'avons jamais été invités à la moindre réunion de concertation, de préparation, nous dire, bon, bien, demain, il va y avoir des box, vous allez être impactés, comment on peut réagir? Alors maintenant, on nous propose de signer une convention avec Suez. Moi, je ne signerai jamais aucune convention avec Suez Environnement. Je ne veux pas engraisser leurs actionnaires. C'est quoi cette convention? Qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit quand même une compensation pour vous en Oui, vêtements? elle prévoit une compensation en vêtements, mais en contrepartie, nous devrons donner 90% ou revendre, leur revendre 90% des vêtements que nous, après le tri, même ceux que nous aurons triés directement. Enfin bon, c'est techniquement, mais c'est sur le principe. Nous ne signerons pas avec Suez Environnement. Nous ne sommes pas là pour engraisser les actionnaires de Suez. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à vous verser une compensation en vêtements, des vêtements qui partent sur cintre, qui peuvent être vendus et qui rapportent de l'argent à la communauté, Des vêtements à trier. voilà. Mais qu'en contrepartie, vous demandent de leur vendre Oui. la partie qui part notamment dans Voilà. les ateliers d'insertion Voilà. que vous vous fournissez. Voilà, ils nous demandent de leur revendre la partie que nous ne trierons pas, 90% au minimum de la partie que nous ne trierons pas, à un prix qui n'est pas celui du marché. Hein. Enfin, ils parlent de prix du marché, mais on n'a pas la même notion. Je pense qu'ils souhaitent gagner beaucoup d'argent en dehors de l'écotaxe qu'ils perçoivent et que perçoivent les collectivités.